Salue ton frère, ta soeur. Dis-lui que tu es excellent, pas lui, mais toi-même. Je suis excellent. Je ne peux pas être moins que ça. Je suis tellement excellent. Je ne peux pas être moins que ça. Vous le croyez? Ne laissez pas tomber la vision de l'excellence. Vous m'entendez? Ne laissez pas tomber. Alléluia. C'est l'année de notre pleine satisfaction en Christ. Et nous avons déjà traversé une première saison. C'était quelle saison? La saison de la vision de l'excellence. Et maintenant, nous sommes en pleine saison de l'agneau, la saison du parfait repos. Alléluia. Je voudrais vous encourager à participer à la célébration innovante du travail qui aura lieu ce samedi. Allez-y, ça va être important pour vous. Alléluia. Allez-y et invitez des gens. Donnez aux organisateurs les bons problèmes d'être dépassés, débordés. Vous savez, dans la vie, les problèmes ne sont pas évitables. Mais il vaut mieux avoir des bons problèmes. Si tu ne choisis pas d'avoir des bons problèmes, tu en auras de mauvais. Par exemple, quand on n'a plus d'espace, ça c'est un bon problème. N'est-ce pas? Donc, participer, c'est important pour que nous soyons effectifs dans la vie des hommes. Le Seigneur a dit que nous sommes le sel de la terre. La grâce de Dieu, l'onction que nous recevons ici, doit servir à impacter le monde. Alléluia. Amen. Nous devons avoir de l'impact dans le monde. Et donc, Pierre disait qu'il est bon de joindre à la foi la connaissance. Ici, nous sommes là pour dispenser la parole de la foi, pour la recevoir. Mais chacun d'entre nous doit apprendre à... On m'a dit d'éviter d'utiliser des verbes qui sont un peu compliqués. J'allais dire à contextualiser, à appliquer, à adapter la parole de foi que nous recevons ensemble, chacun dans son domaine. Alléluia. Dis à ton frère, applique la parole de foi dans ton domaine. Alléluia. Alors, ce matin, il m'a dit de nous parler de Caleb. C'est mon titre. Caleb. Si ça ne marche pas, autant ne pas me le donner. Donc, clique toi-même. Caleb. Pourquoi nous allons parler de Caleb? Parce que par la vie de Caleb, nous allons apprendre l'art de s'emparer de la parole de Dieu. Pourquoi? Pour entrer dans son repos. C'est tout un art de s'emparer de la parole de Dieu pour entrer dans son repos. Et Caleb est un bel exemple pour nous. Vous me suivez? Lisons un certain nombre de passages de l'Écriture. Nous commençons par Matthieu 11. Verset 12, Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont qui? Les violents qui s'en emparent. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à quand? Jusqu'à présent. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Voici comment vous pouvez passer à côté
Je vous dis cela pour que personne ne passe à côté ce matin. Vous pouvez commencer à raisonner pour savoir c'est quand le temps de Jean-Baptiste. Si vous faites une bonne étude biblique, vous comprendrez. Mais Jésus a dit jusqu'à présent. D'accord? Qu'est-ce qui est plus important entre depuis et maintenant? Hein? Et vous savez, si le jusqu'à présent de Jésus était un langage symbolique, il allait parler autrement. Quand il dit jusqu'à présent, c'est pour que aujourd'hui, quand tu le lises, tu comprennes que c'est valable maintenant. Alléluia. Donc, mon frère, si tu comprends ce que veut dire depuis le temps de Jean-Baptiste, envoie-moi un mail. Explique-moi ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est jusqu'à présent, d'abord, now, maintenant, aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le royaume des cieux est... Et ce sont les violents qui s'en emparent. Pourquoi parler de violence alors que, pasteur, on est dans un temps de repos? Il dit, c'est une excellente question. Alors, suis-moi jusqu'à la fin. Hébreux chapitre 4, versets 1 à 3. Hébreux 4, versets 1 à 3. Craignons. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Elle subsiste encore. Cette promesse est valable encore. Mais nous devons avoir une crainte. Laquelle? Qu'aucun de vous ne paraisse être venu quand? Trop tard. Trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Est-ce que la parole de ce matin va trouver la foi chez vous? Elle peut ne servir à rien, mais je ne pense pas qu'elle ne servira à rien. Parce que j'ai prié pour que ça ne soit pas le cas. Plusieurs personnes ont prié pour que ça ne soit pas le cas. Et Dieu a promis de nous exaucer au nom de Jésus. Et parce que Dieu nous exauce, cette parole de ce matin ne sera pas vaine pour toi. Elle va servir à quelque chose. Pour nous qui avons cru, qu'est-ce qui s'est passé? Nous entrons dans le repos. On y entre par la foi. Vous m'entendez? C'est très important, c'est capital. Le parfait repos est accessible seulement par la foi. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Dieu a fait tout ce qu'il devait faire. Alléluia. Si on n'y entre pas, ce n'est pas sa faute. Mais je crois qu'on y entrera. Alléluia. Alléluia. Craignons de ne pas expérimenter le parfait repos. Craignons de rendre vaine la parole de Dieu. Craignons de rendre vaine l'œuvre de la croix. Cela a coûté trop cher à Dieu que de sacrifier son Fils Jésus-Christ. Toutes les bénédictions que la croix nous donne, nous devons les prendre. Ne méprisez pas une seule. C'est comme si on, permettez-moi, on insultait Dieu. Il est mort pour ça. Et nous voulons le banaliser. C'est très grave. Craignons de ne pas entrer dans son repos. Alors nous allons voir comment Caleb a accompli ses principes du royaume des cieux. Nous commençons dans Nombre chapitre 13.
Cela va nous prendre du temps, mais il m'a dit, lis-le pour que plusieurs le voient et le constatent. Il m'a dit, lis-le. Mets ses écrits devant leurs yeux afin qu'ils le voient. Nombre 13, je vais proposer des segments pour économiser un peu de temps. Nous commençons à partir du verset 1 au verset 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, et tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Shamua, fils de Zakur. Pour la tribu de Siméon, Shapat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephunné. Pour la tribu d'Issacar, Jigal, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Noun. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephunné. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Noun. Verset 16, à partir du verset 16e. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Noun, le nom de qui? Josué. Son papa l'avait appelé Osée. Moïse l'appelle Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Ça, c'est la place de la sagesse. Ils ont déjà la parole, mais il faut mettre en place une stratégie qui fonctionne avec la sagesse. Verset 20. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point, ayez bon courage. Souligné. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. Ramenez des preuves. C'était le temps... De quoi? Des premiers raisins, justement. Justement, rien n'est dit au hasard. Ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Ramat. Ils montèrent par le chemin de Midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Ahiman, Shéchaï et Talmaï, enfant de Danak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. L'Égypte dont il vient d'être délivré il y a plus de 40 ans. Non, il n'y a pas encore 40 ans. Il y a 11 jours et 40 comme nous allons le voir. 11 jours plus 40. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée des Chols, où ils coupèrent, tenez-vous bien, quoi? Une branche de vigne avec quoi? Une grappe de raisin qu'ils portèrent comment? À deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Quelle est cette grappe de raisin que deux personnes doivent porter à deux, à l'aide d'une perche?
Quel est ce pays où les raisins sont gigantesques? Quel est ce pays? C'est le pays dont Dieu avait dit que c'était le pays où coule le lait et le miel. Il avait choisi un endroit particulier parce qu'il savait que c'était un pays qui réunissait toutes les conditions pour que votre vie sur la terre soit la meilleure possible. Alléluia. On ne parle pas du ciel. Dis à ton frère, Canaan n'est pas au ciel. Verset 24. On donna à ce lieu le nom de vallée des Chaules à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Et Chaules veut simplement dire grappe. C'est tout simplement ça. Il fut de retour de l'exploration du pays au bout de combien? 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent les fouilles du pays. Preuve à l'appui. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Vraiment. En voici les fruits. Là, tout le monde a dit, ah bon, c'est vrai, mais ils ne se sont pas arrêtés là. Le discours continue. C'est quel verset? 28. Mais, le problème est là. Mais vient. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Dieu avait cité tous ces peuples avant qu'ils ne les voient. Et malgré ça, Dieu avait dit, je vous donne le pays. 30. Il y a quelqu'un qui était là, il n'a pas supporté la direction que le rapport commençait à prendre. Dites avec moi, c'est Caleb. C'est Caleb. J'aimerais que ça soit à toi à partir d'aujourd'hui. Amen. Les gens qui sont capables de dire « Silence, taisez-vous !» Pas de ce genre de discours ici. Pas de ce genre de discours dans ma tête. Ah oui. Pas de ce genre de discours dans ma maison. Pas de ce genre de discours dans mon environnement. Silence, tais-toi, arrière de moi, Satan. Car tes pensées sont des pensées des hommes. Tu parles à la manière des hommes. Alors que Dieu avait déjà dit autre chose. Caleb fit taire le pays qui murmurait contre Moïse. Vous voyez? Ils ont amené un ministère de murmure. Caleb a un autre ministère. Il dit, montons. Quel est le verbe? Ah, vous savez ce qui est étrange? Ce qui est étrange, arrêtons-nous d'abord là, c'est que, réfléchissez un peu, qui peut forcer le royaume de Dieu? Qui? Quand Dieu a fermé une porte, qui peut la forcer et ouvrir? Voici ce qu'il m'a dit ce matin. Il a dit, va dire à mon peuple, mon royaume au ciel, personne ne peut le forcer. Jésus parle du royaume des cieux sur terre. Amen. N'est-ce pas qu'il nous a dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit, que ton règne, que ta volonté soit faite où?
Dieu avait emmené un aspect de son règne dans ce territoire appelé Canaan. Écoutez-moi très bien. C'était une grâce, un aspect de la grâce céleste qu'il avait placé dans un territoire terrestre. Pour les descendants d'Abraham. Mais il se trouve que d'autres peuples en bénéficient. Alors il dit, qui peut s'en emparer? Qui peut forcer l'histoire? Vous m'entendez? Parce que les Cananéens ne laisseront pas ce terrain facilement. Ils connaissent la valeur de ce territoire. Ils connaissent. Caleb utilise la même idée que Jésus nous dit des siècles plus tard. Montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, écoutez ces gens-là, nous ne pouvons pas. Enlève ce mot de ta mentalité. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tu comprends? Nous ne pouvons pas. C'est trop compliqué. C'est trop difficile. Ce n'est pas possible. Dites avec moi, on ne parle pas comme ça dans le royaume. On ne pense pas comme ça dans le royaume. Je dis à mon âme, ne dis plus, je ne pourrai pas. Ne pense plus comme ça. La science a prouvé que quand quelqu'un dit c'est difficile, son cerveau se verrouille. Tu envoies un message au cerveau pour lui dire ne fais pas d'effort. Ça, ce n'est pas des chrétiens, c'est des païens. Ils ont découvert la relation entre le langage et la tour de contrôle de l'humain qui se trouve dans le cerveau. Dès que tu dis c'est trop lourd, tu ne pourras pas le soulever. Dès que tu dis c'est trop loin, tu ne pourras pas y arriver. Dès que tu dis c'est trop fort, eh bien tu deviens faible. Dès que tu dis c'est plus fort que moi, eh bien tu as perdu d'avance. Nous ne pouvons pas. Ne parle plus comme ça. Tu sais, je vais te donner un conseil. Quand ta foi n'est pas totale, tais-toi. Hein? Quand tu ne peux pas parler comme Caleb, au moins ne parle pas comme les autres. Tais-toi au moins. Alléluia. Je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Rien n'est impossible à celui qui croit. Je n'ai pas besoin d'une grande foi pour déplacer les montagnes. Il n'y a aucune équation que je ne peux pas résoudre. Si Dieu a permis que ce problème m'arrive, ce qu'il a pesé, il a mesuré, me connaissant, il dit, il a ce qu'il faut pour triompher. Parce qu'il me connaît. Ce qui est plus fort que moi ne peut pas m'arriver. Car mon papa est bon, il est omniscient. Il voit à l'avance ce qui peut m'arriver. S'il laisse faire ce qu'il est en train de me dire, que j'ai ce qu'il faut pour vaincre. Alléluia. C'est pour cela que je dirais que je puis tout par celui qui me fortifie. Car tout ce qui est plus fort que moi n'arrivera pas à moi. Une mère, quand elle commence à apprendre un enfant à manger de la nourriture, elle mâche et elle lui donne.
Et si elle met ça dans la bouche de l'enfant, même si l'enfant est habitué au sucre, vous savez, quand vous commencez à faire passer l'enfant de la saveur sucrée aux saveurs salées, la transition est difficile. Dès que tu mets dans sa bouche, il rejette parce que le goût n'est pas sucré. Mais quand la maman met dans sa bouche, elle est en train de lui dire, tu peux le manger et c'est bon pour toi. Et je veux te dire, tu peux y arriver et c'est bon pour toi. Au contraire, tu vas te découvrir derrière cette épreuve. Tu vas découvrir le héros qui est caché en toi. Oh Dieu, je ne savais pas que j'étais capable de cela. Presse le fruit et vous en aurez du jus. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tout est possible à moi parce que j'ai la foi. Nul ne tiendra devant moi tant que j'existerai. Tout lieu où je foulerai la plante de mes pieds parce qu'il m'y envoie, je le posséderai. Quels que soient les Cananéens, les Rétiens, les Jébusiens, les Héviens qui y sont. Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Ton enfant commence à montrer des signes difficiles. Il a un caractère difficile. Rends grâce à Dieu. Tu as ce qu'il faut pour le canaliser. Je parle à quelqu'un. Je ne sais pas à qui. Vous savez, quand ta vie commence à prendre le chemin étroit, au lieu de pleurer, loue le Seigneur. Parce que c'est là, large et spacieux, est le chemin qui mène à la perdition. Étroit et resserré est le chemin qui mène à quoi? Ça mène à quoi? Répondez-moi. À la vie. Ayez la perspective divine de ce qui nous arrive. Quand le chemin devient étroit, c'est que la vie n'est pas loin. Bon, j'avais dit que nous devons lire, continuons. C'était dans quel verset? Pardon? 31, j'ai même envie de le supprimer, mais bon, c'est l'histoire. Nous ne pouvons pas, oh là là, mon Dieu. Verset 32. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disaient, regardez, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Arrêtons-nous d'abord là-bas. Est-ce que les Cananéens sont morts? Hein? Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils ont trouvé un pays où il n'y avait que d'insectes et des ossements desséchés? Mais est-ce que ça c'est vrai? Mais je vous parle. Voici ce qui se passe. La parole de Dieu est la vérité. Regardez comment ils ont commencé. Ils disent, en vérité, ce pays est tant, tant, tant. En vérité, pourquoi? Ils se rendent compte que ce que Dieu avait dit, c'est vraiment ce qui est. Donc, il y a la vérité. Après, il y a le raisonnement. Vous comprenez? Si tu cèdes au raisonnement, tu bascules au mensonge. Tu tombes dans le mensonge. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est un pays où coule l'eau et le miel. Mais en raisonnant, l'adversaire est coriace. Donc, c'est un pays qui dévore ses habitants. Ce qui est logiquement faux. Ce n'est pas spirituellement, hein? Logiquement. Qu'est-ce que cela veut dire? À chaque fois que dans ton raisonnement, tu choisis de considérer pour vrai ce qui est contraire à la parole de Dieu, le mensonge devient la vérité pour toi. Je vous dis la vérité. On ne joue pas avec ça. C'est-à-dire que l'homme arrive, parvient à un point où même ce qui devait être évident ne l'est plus. Jouez pas avec ça. Contredire la parole de Dieu est très grave parce que ça aura pour effet de t'emmener à un point où tu ne sais même plus distinguer ta gauche et ta droite. Lisez Romains 1, vous allez voir, c'est ce qu'ils ont fait. Dieu s'est révélé dans la nature, ils ont vu qu'il était grand, mais ils ont refusé de le reconnaître comme Dieu et de le glorifier.
et se sont égarés dans leur propre raisonnement, finalement, leurs désirs les ont poussés, les hommes vers les hommes, les femmes vers les femmes. Et croyez-moi, ça va peut-être vous choquer, l'homosexuel trouve tellement normal d'être attiré par la personne du même sexe. C'est tellement normal pour lui. Et quand vous lui dites « on n'en veut pas », il dit « mais c'est de la discrimination. Je n'ai aucune attirance pour le sexe opposé. » Et donc, ils vont nommer des chefs qu'on va dire, voir ici pour les comprendre. Mais on ne doit pas comprendre ceux qui se lèvent contre ce que Dieu a dit. Ne cherchez pas à comprendre. Parce que essayer de comprendre est un terrain dangereux. Parce que la finalité de cette réflexion va emmener une... On m'a dit d'éviter ces mots-là. Une distorsion dans ton raisonnement. Au point que ce qui est noir devient vraiment blanc pour toi. Et tu es sincère. Tu es sincère. Vous m'entendez? Est-ce que ce pays... Bon, continuons. Ils disent que le pays dévore ses habitants. Ah bon? On va voir. Est-ce que c'était un cimetière? Est-ce qu'ils y sont morts après 40 jours? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Est-ce que vous sentez ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous sentez ça? Je ne vous demande pas si vous entendez. Je vous demande si vous sentez ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas vrai. Après 40 jours là-bas, ils sont revenus vivants avec des fruits en prime. Et ils disent que le pays dévore ses habitants. Pourquoi le pays ne les a pas dévorés? Ce n'est pas vrai. Ils avaient commencé par la vérité. Ils ont fini par le mensonge. Où se trouve le problème? C'est le choix dans leur raisonnement. Quel choix tu vas faire aujourd'hui? Tous ceux que nous y avons vus, ah bon, il y a des vivants là-bas, sont des hommes d'une haute taille. Quand la parole de Dieu entre dans ton système, tu commences à raisonner autrement. C'est-à-dire, avec la parole qu'il y a dans mon système, maintenant je me dis, mais justement, la terre là, la terre de Canaan, regarde ce qu'elle fait des grappes de raisin. Elles deviennent gigantesques. C'est normal que les habitants soient aussi de haute taille. Non? Tu ne peux pas manger des vitamines et être maigre. Tu ne peux pas manger du gras, hein, mes sœurs. Tu ne peux pas manger du gras et être svelte. Mince. Quand la parole de Dieu est dans ton système, tu dis, mais ils sont comme ça à cause du pays. Amen. Et je suis comme ça parce que je suis en dehors de ce pays. Je veux aller vivre là-bas. Laissez la parole venir dans votre système. Parfois, les gens viennent me voir parce que généralement, quand quelqu'un veut voir un pasteur, pas dans la communion fraternelle, mais le consulter souvent, c'est dans des moments difficiles. Et tu vois, la personne raconte ce qu'il vit, c'est réel. Mais moi, j'y vois des sujets d'action de grâce. Tu sais, moi, je suis comme ça. Mon premier réflexe, où est l'engrais dans cette pourriture? Vous m'entendez? L'engrais sent mauvais, mais la terre l'accepte. Parce que la terre dit, cet engrais ce fumier va me bonifier. Amen. Quand une pourriture vient, ne la regarde pas comme une pourriture. Regarde-la comme du fumier. Il y a du fumier sur la vie de quelqu'un? Hein? Bon, qu'il en soit fait selon ta foi.
Et nous y avons vu des géants. Mais c'est normal. Moi, je trouve ça tellement normal. Et regarde ce qu'ils disent. Nous y avons vu des géants. Vous savez, la conclusion qu'on va tirer d'ici, à partir du verset 23, rien que ça, vous allez trouver, allez sur Internet, vous allez trouver des milliers de bouquins sur la motivation. Des milliers de conférenciers qui offrent des séances de motivation où ils te facturent à des milliers de dollars par heure. Alors que tu aurais dû lire Nombre 13, 33 et recevoir gratuitement. Je parle à quelqu'un? Amen. Regardez quand vous longez la corniche. Quand vous commencez à longer la corniche, regardez comment le monde fonctionne. Les parties les plus accessibles de la corniche sont confisquées par certaines personnalités qui sont riches matériellement. Et ils y construisent des cafés, des snacks, de telle sorte que pour aller contempler le spectacle de la nature que Dieu nous a donné gratuitement, tu sois obligé de payer quelque chose. Mais si tu continues ta marche par la foi, en étant persévérant, et que tu dépasses la corniche à un diable, mais tu persévères, quand tu arrives à Darboisa, eh bien, le spectacle est gratuit. Le même spectacle. Amen. Le même. Et Dieu nous a tellement donné des choses gratuitement dans la Bible. Mais les gens ne veulent pas lire la Bible qui coûte moins de 20 dollars. Et ils se permettent d'acheter des produits dérivés qui disent très peu et qui coûtent des milliers de dollars. Regarde ce qu'ils disent. Ils disent, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Et ils ont dit, nous étions à nos yeux d'abord. Comme le petit Manu M le dit, d'abord. Et au leur, c'est-à-dire, et à leurs yeux comme des sauterelles. Regardez une déclaration tellement simple. Les gens te regarderont toujours tel que tu te regardes toi-même. Si à tes propres yeux, tu es une sauterelle, eh bien, les gens te regarderont comme une sauterelle. Ma sœur, si à tes yeux tu es belle, les gens te regarderont comme étant belle. Mon frère, si à tes yeux tu es quoi? Eh bien, les gens te regarderont comme? Les gens ne peuvent pas te donner plus que ce que tu te donnes. Et d'ailleurs, en général, les gens te donneront toujours moins que ce que tu te donnes. Donc, tu as intérêt à placer le plafond très haut. Tu ne peux pas préparer un examen en te disant « je vise 12 ». Je prophétise que tu auras nécessairement moins de 12. Pas vrai? Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois viser 22. Je ne m'amuse pas. Je suis allé à méditer la dernière fois, j'étais dans le bureau, je suis allé là-bas pour prendre un renseignement. J'arrive, une dame va du fond de la salle, « Monsieur, qu'est-ce que vous désirez ?» Il y avait la file, hein. Elle m'a pris, j'ai dit « Bon, je veux tel renseignement. » Elle est allée au bureau, elle a tout fait. Et puis je suis sorti, les gens me regardaient méchamment, « C'est qui même celui-là ?» En sortant, j'avais envie de dire « Tu ferais mieux de ne plus te regarder comme une sauterelle. » Tu sais, quand tu ressens la jalousie, quelqu'un a déjà ressenti la jalousie ici? Il n'y en a pas beaucoup, hein? Attendez, pardon. Je vous pose la question au nom de Jésus. Vous savez, parfois quand Dieu veut te titiller, il va emmener dans ton environnement des gens qui excellent. Des gens qui sont sûrs d'eux. Hein? Des gens, quand ils marchent, ça, ils parlent comme ça.
Et comment ça va? Toute la journée. Et là, toi, tu se prends pour qui? Non, 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 non. C'est toi qui te prends pour moins que qui? Alléluia! On est fat, moi, je suis fat. Moi, quand je vois quelqu'un qui a réussi, je vais là-bas. Oui, parfois, le succès rend orgueilleux. Moi, c'est pas ça, je ne m'intéresse pas à ça. Si tu es orgueilleux, c'est ton problème. Mais derrière ton succès, il y a des choses que tu sais. C'est tout ce qui m'intéresse. Amen. Bonjour. Comment était ta journée et ta semaine? Et quand tu dis magnifique, lui, il est toujours comme ça. Tu sais, regardez l'éducation chrétienne que j'ai reçue en tant que prédicateur. Dans les formations de prédication, on nous disait, ce sont des pasteurs qui nous ont dit ça. Quand tu viens d'un service et qu'on te demande comment ça s'est passé, il dit, quelle est l'expression? Non, ce n'est pas vraiment. Dieu a fait grâce. Il ne faut jamais dire, ah, c'était magnifique. Il est prétentieux. Mais si c'est magnifique, c'est magnifique. Amen. Non? Oui. Mais rendre témoignage, c'est quoi? C'est dire ce que Dieu a fait. Hier, j'étais dans une ville, une petite ville, une réunion avec 11 étudiants. Je leur ai parlé du Saint-Esprit, calmement. Et puis, pendant que je parlais, je leur disais, ça va vous arriver quand on va prier. Je continuais. Et puis, je leur disais, quand on va prier, ça va vous arriver. Je continuais. Et puis, à la fin, je leur ai dit, écoute, ne pensez pas qu'on va faire une heure, parce qu'il me faut 4 heures de route pour revenir. Il était 18 heures. Si on fait encore une heure de prière, ça va faire 19 heures, je vais rentrer à 23 heures et je dois prêcher le matin. Je leur ai dit, non, Dieu peut faire ça en 5 minutes. Donc, je leur ai dit, bon, levons-nous. Vous connaissez un cantique? Ils ont dit, bon, choisissez le cantique de votre choix. Ils ont choisi, on a chanté. Puis je leur ai dit, bon, Seigneur, fais ce que tu as fait. Certains sont tombés, certains ont senti le feu, d'autres ont senti la fraîcheur. J'y suis pour rien, mais Dieu l'a fait. Amen. Alléluia. Amen. 15 minutes chrono. Ah, parce que je devais rentrer. Dieu l'a fait. Et il n'y a pas d'orgueil en moi. Dieu l'a fait. Il va faire davantage. Alléluia. Donc, je peux vous dire, hier, c'était magnifique. Dieu a fait grâce. Amen. Les chrétiens, on associe la grâce à des choses qui n'ont pas de valeur. La grâce, on y recourt quand ça ne va pas. Comment ça va, mon frère? Ça va par la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu est là quand ça va pas. Quand c'est l'eau, c'est ça la grâce de Dieu. Tu connais la grâce? Tu sais ce que c'est que la grâce? C'est pas la glace, c'est la grâce. C'est pas la glace. Tu connais la grâce? La grâce peut faire que tu dors en prison, demain tu te réveilles premier ministre. Amen. Dans un pays étranger, sans être né d'un père roi. Tu m'entends? La grâce peut faire. La grâce va faire. Amen. J'allais commencer à dire des choses là. Quand je parle comme ça, je parle sur les vies des gens. Mais ça me prend du temps. Donc quand je dis la grâce va faire, mets ce que tu veux. Le royaume des cieux appartient aux violents. La grâce va faire. Amen. La grâce va faire. Amen. La grâce va faire. Comment te regardes-tu toi-même? Comment tu te regardes? Dans certains endroits, pour qu'on te respecte, il faut que tu sois présentable. D'accord? Mais sois présentable. N'associe pas ta valeur à ton vêtement. Mais quand même, sache que les hommes, parfois, ils regardent à l'apparence. Alors, même si tu sais qui tu es, habille-toi bien. Fais-toi respecter. Alléluia. Et quand tu sens qu'il y a des choses dans ta vie qui sont secondaires, mais qui font qu'à cause de cela, les Cananéens te méprisent, rentre dans ta chambre, dis à papa, change-moi ça.
Seigneur, donne-moi autre chose qu'une Logan. Parce que quand je viens dans un rendez-vous pour représenter l'Église, quand je rentre parce qu'on ne sait pas où est-ce que je m'étais garé, ça m'est arrivé 1000 fois. Quand je rentre, je dis, bonjour, c'est moi le pasteur. Ah oui, c'est vous. Ah, on m'a dit beaucoup de bien de toi. Et puis on part, tu sens le respect. Et la personne te respecte tellement que finalement, elle te respecte tellement qu'elle se sent obligée d'aller te accompagner jusque dans ta voiture. Aïe, 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 c'est une Logan. Et quand j'arrive dans ma Logan dont je suis fier, tu vois la déception sur le visage de ce cananéen. Il a oublié toute la valeur qu'il avait vue avant. Mais c'est comme ça le monde, c'est comme ça. C'est comme ça. Dieu qui a payé pour ton péché, ne peut-il pas payer pour une veste? Je pose une question. Répondez-moi. Répondez-moi. Dieu qui a payé pour le péché, ne peut-il pas payer pour une veste? Répondez. Mais attention, ne dépendez pas des choses sur lesquelles s'accrochent les Cananéens. Ne dépendez pas de ça. Pasteur Kawata, qui viendra dans quelques semaines pour la conférence de thé, me raconte que il était allé prêcher quelque part et une personne était touchée par son message et lui a offert une montre. C'est une belle montre. Et il l'avait même pendant qu'il me parlait. Pour nous qui ne sommes pas connaisseurs, c'est juste une belle montre. Mais un jour, il est allé prêcher dans un pays. Et il prêchait. Et à la fin, quand il a lancé l'appel, un monsieur s'est levé. Quand le monsieur s'est levé, sa femme a commencé à pleurer. Et à la fin, sa femme est venue et lui dit, vraiment, tu es un homme de Dieu. Parce que cet homme méprise les serviteurs de Dieu. Tu es le premier en plusieurs années où j'ai prié pour lui qui accepte. Pasteur Kata dit, et puis la femme dit, le monsieur veut te voir. Pasteur dit, oui, viens. Vous savez ce que le monsieur lui a dit? Il dit, monsieur, savez-vous que votre montre coûte 50 000 $? Il a dit, moi j'ai la même chez moi, je ne la porte pas n'importe quand. Et quand je te vois agiter ta main, vous comprenez? Il dit, j'avais peur de 50 000 $. Et ce n'est pas fini. Et il dit, mais si 50 000 $ est si peu pour ton Dieu, je le veux. Amen. Alléluia! Donc ça, c'est quelqu'un qui a compris le pavement du royaume. Parce qu'au ciel, on marchera sur de l'or. Il est entré, mais il est par terre. Alors, Pasteur Karat l'a pris là. Il a commencé à l'élever dans la parole. Aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. Il est ancien dans son église. Il est toujours plein aux as, mais il est plein du Saint-Esprit. Que ça arrive à quelqu'un aujourd'hui. Vous aimez ça? Mais vous avez raison. Vous m'entendez? Vous avez raison. Je vous acclame. Vous avez raison. C'était pas de l'ironie que je faisais. Tu fais bien d'aimer ça. Tu m'entends? Les jours viennent où un frère achètera le bâtiment de Kazan, un autre à Stade, un autre. Une seule personne, alléluia, une seule. Le jour où vient, où au ciel il y aura un embouteillage. Moi je suis dans mon jet privé, je dis bonjour. On s'arrête au feu rouge dans le ciel là. C'est le feu. Alléluia. Le feu rouge de jet privé. Waouh. Quelle imagination. Waouh. Bon,
Vous vous rendez compte que je n'ai pas encore commencé à prêcher? Hein? Voici mes notes. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. En fait, on est en train de lire. Voulez-vous qu'on continue la lecture? Oui. Ok. Chapitre 14. Ne te regarde plus comme une sauterelle. Tu sais, quand je regarde bien dans le fond de tes yeux, je vois le reflet de ce sur quoi tu te fixes. N'est-ce pas? Par exemple, si j'ai une bouteille d'eau, je mets comme ça et que tu me regardes. Si je te regarde attentivement, je veux voir la bouteille d'eau dans ton orbite. Vous comprenez? Maintenant, si quand tu penses en toi-même, tu te fixes sur toi-même et tu te vois comme une sauterelle, eh bien, quand les gens vont se fixer sur toi, ils ne pourront pas te voir mieux qu'une sauterelle. Je parle à quelqu'un? Je ne demande pas de devenir ambitieux. Je nous demande de prendre ce que Dieu a dit que tu es et de fixer ton regard sur cela, de contempler la parole. Il a dit que je suis une race royale et là je contemple. Amen. Je contemple parce que quand tu contemples, le Saint-Esprit te transforme en la même image de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Alors je remplis mon esprit de la parole de Dieu et je la contemple, je la contemple, je la contemple. Elle peut vous témoigner. Dieu m'a donné la grâce naturelle d'avoir une bonne mémoire. Qu'est-ce que je fais? C'est que je lis un texte. C'est pour ça que vous voyez, je suis à l'aise quand je prêche, je ne regarde pas mes notes. Mais attention, j'écris. Ne vous trompez pas, j'écris. Qu'est-ce que je fais? Je lis un passage de la Bible. D'accord? Et je déporte ce passage dans ma mémoire. Ça, c'est un travail intellectuel. Ça n'a rien de spirituel. Tu appelles un bouddhiste, tu lui donnes ce texte, tu lui demandes de mémoriser. Il va mémoriser. Ce n'est pas parce qu'il est bouddhiste qu'il ne peut pas mémoriser. Même toi, tu peux mémoriser une sourate d'un Coran. Mais je ne te le conseille pas. D'accord? Une fois que j'ai réussi à importer ce passage dans ma mémoire, qu'est-ce que je fais? Je le contemple constamment. Et j'ai toujours un stylo et un bout de papier dans mes poches, où que j'aille. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la parole va me parler. Et quand ça me parle, je griffonne, je garde. Je griffonne, je garde. Contemple les Écritures. Et si tu la contemples tellement bien que tu arrives à voir ce que Dieu dit, tu n'auras plus besoin de te recommander parce que ta vie devient une lettre vivante. Quand les gens te voient, ils lisent, voici un roi, voici un serviteur de Dieu, voici un fils de Dieu, voici un homme, une femme remplie de l'esprit, voici un homme fidèle. Dès que tu viens, combien de fois on m'a dit, tu sais, je sens que je peux te faire confiance. Combien de fois? Pourquoi? Parce qu'ils lisent le caractère de fidélité de Christ dans ma vie. Je m'en suis tellement imprégné. On ne lutte pas contre le péché. On ne lutte pas contre le mauvais désir. Non, on ne lutte pas. On est né de la parole. On se remplit de la parole. On contemple la parole. Et elle travaille notre système. Elle travaille tellement qu'elle jaillit de nos vies. Et quand elle jaillit, on voit. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Dites avec moi, tout est possible. Tout est possible. Vraiment. Alors, Saint-Esprit, donne-moi le temps. Au nom de Jésus. Verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa les cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Et où
Que ne sommes-nous morts dans ce désert? Oh là là! Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller de ce pays? Dans ce pays où nous tombons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Qui vous a dit ça? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Oh là là, oh là là! Quel mépris envers tous les efforts que Dieu a fournis. Quel mépris envers tous les sacrifices que Moïse a consentis. Vous savez que Moïse ne voulait pas venir, le pauvre. Quel mépris! C'est comme ça qu'on remercie Dieu. C'est comme ça qu'on remercie l'homme de Dieu. Quel mépris! Et ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef. Et quoi? Si un leader ici fait attention, de la même manière que le verset 33 du chapitre 13 peut sortir beaucoup de livres sur la motivation, de la même manière que le verset 4 du chapitre 14 sort beaucoup de livres sur le leadership. Le vrai leadership n'a rien de la popularité. Être leader, ce n'est pas devenir capable d'être populaire. Non, un vrai leader d'ailleurs, c'est une personne qui a la capacité à lui tout seul de résister à la foule qui va dans une mauvaise direction et qui arrive par la grâce de Dieu à inverser leur raisonnement pour qu'ils aillent dans une autre direction. C'est ça le leadership. Les vrais leaders de l'histoire n'ont pas été acclamés de leur vivant. Ne confondez jamais leadership à popularité. Et moi, je suis un lecteur. Hein. Il y a des livres que je lis avec ce que je sais rapidement quand je cerne. Je sais que ce n'est pas la peine que je lise. Mais je me rends compte que ce que le diable est en train de faire, et c'est même dans l'Église, ce qu'on est en train de faire croire aux gens qu'être leader, c'est être capable d'attirer l'adhésion du plus grand nombre. Non, non. D'ailleurs, un vrai leader commence par être contre vous. Et vous montre un avenir différent. Nommons un chef, un leader n'est pas nommé par les hommes. Un leader divin. Pourquoi? Parce que quand tu es nommé par les hommes, tu feras leur volonté. Parce que s'ils ne sont pas contents de toi, ils vont te destituer. Ceux qui t'ont élu auront la capacité de te chasser. Mais si c'est Dieu qui t'a élu, qui pourra te chasser? Nommons un chef et retournons à l'Égypte. Mon Dieu, faites attention aux choses que vous attendez. Ce n'est pas parce que c'est dans l'Église. Ce n'est pas parce que, soi-disant, il a ouvert la Bible. Attention, il y a des messages qui renvoient en Égypte. Insidieusement, subtilement, doucement, il y a des messages qui renvoient à l'Église, en Égypte. Et ces leaders-là sont populaires parce que un des signes de la fin, c'est que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre tellement de choses qui plaisent aux oreilles, qu'ils se donneront une multitude de docteurs pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. Si tu veux entendre quelque chose, si tu sais ce que tu veux entendre, dis-le toi-même. Non? C'est pas facile? Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, déchirèrent leurs vêtements. C'était grave. C'était grave. Il faut prendre position. Quand vous voyez des gens critiquer Dieu comme ça, même si vous n'y participez pas, mais si ça ne vous touche plus, vous êtes en danger. Ça veut dire que vous commencez à cautionner petit à petit. Vous êtes en train de mourir à petit feu.
ne vous n'aimez pas la compagnie des moqueurs. N'aimez pas ça. Parce que c'est contagieux. C'est vraiment, vraiment contagieux. Faites attention aux personnes auxquelles vous donnez accès à votre entourage. Faites attention aux films que vous regardez. Faites attention aux infos que vous suivez. Faites attention aux images auxquelles vous donnez accès chez vous. Faites attention. Nous devrions déchirer nos vêtements constamment dans ce monde d'aujourd'hui. Ce n'est pas possible de regarder la télé 10 minutes sans être choqué. Ce n'est pas possible de se connecter 5 minutes sans être choqué. Parce que les Cananéens ne veulent pas que nous reprenions le territoire. Mais ils sont vaincus au nom de Jésus. Verset 7. Et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays bon et excellent. Vous savez, ils se sont opposés au premier discours, ils ont remplacé le bon discours. Il faut toujours le remplacer, d'accord? Quand une mauvaise pensée vient en toi, annule-la et confesse une meilleure qui est contraire. Remplace, annule et remplace. Regardez, verset 8, il dit, si, soulignez ça, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Regardez le regard de cet homme et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec vous, est avec nous. Ne les craignons pas. Toute l'assemblée parlait de les lapider. C'est eux qui ont le bon discours. Mais c'est eux qu'on veut supprimer. C'est pour ça qu'il dit, ils l'ont vaincu à cause de l'agneau. Et de quoi? Parole de leur témoignage. Et quoi? Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le diable ne veut pas qu'on croie au sang de l'agneau. Mais si jamais tu commences à y croire, le diable ne voudra pas que tu en rendes témoignage. Quand tu commences à oser en parler, il essaiera de te tuer. Comme Caïn tué Abel, le premier à avoir cru au sang, a été tout de suite éliminé. Vous m'entendez? Donc, avant d'entrer dans l'autorité divine, avant d'entrer dans la puissance du sang, réfléchis. Si tu aimes ta vie plus que Dieu, jusqu'à craindre la mort. Hier, je montrais à ces jeunes, j'ai commencé la réunion, j'étais en voiture, quand j'étais en route, le Saint-Esprit m'a dit, commence par leur poser une question. Je leur ai posé la question. Qui est déjà baptisé dans le Saint-Esprit? Personne. Qui veut être baptisé dans le Saint-Esprit? Tout le monde. J'ai dit, ah oui, vous savez, toutes les conditions sont réunies. Donc, il n'y a personne qui est réticent. Ils ont dit, non, au contraire. OK, je savais où je les emmenais. On a lu Luc 4, verset 1. Jésus, rempli de l'Esprit, fut conduit dans le désert. Je leur ai dit, être rempli, c'est quoi? Oh non, c'est avoir le Saint-Esprit en toi jusqu'à ce qu'il déborde. J'ai dit, OK, vous êtes intelligent. Si ton cœur est un récipient, réfléchissons, et que le Saint-Esprit est infini, dès qu'il vient en toi, tu es déjà plein. N'est-ce pas? Donc ce sont des images. Dieu ne parle pas de mesure, de quantité. Parce que quand le Saint-Esprit vient quelque part, il déborde déjà, forcément. Parce qu'il est, Dieu, il est infini. Mais il ne parle pas de mesure. Nous avons le Saint-Esprit quand nous avons cru. Dès l'instant où tu as cru, le Saint-Esprit est venu en toi. Mais être rempli, c'est quoi? C'est être capable d'aller
là où tu ne veux pas aller parce que le Saint-Esprit te dit. C'est être capable de dire ce que tu ne veux pas dire parce que le Saint-Esprit te dit de le dire. C'est pour cela que nous sommes fiers de parler en langue. Mais c'est du charabia entre nous. Non? C'est du charabia. C'est du blabla. Mais il fut rempli du Saint-Esprit et il se mit à parler en d'autres langues. Comment? Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça n'a aucun sens pour moi, mais l'Esprit me dit, dis ça. Alors, je choisis de le dire. C'est ça être plein. C'est être soumis au Saint-Esprit. Ce n'est pas une affaire de mesure. On ne peut pas le mettre dans une bouteille. Vous comprenez ça? Et beaucoup de gens ne sont pas baptisés de l'Esprit rien que pour ça. Ils ont des il y a des domaines où ils sont déjà décidés. Si Dieu me demande ça, je veux faire. S'il me demande ça, je veux faire. Il peut même me demander tout ça. Mais s'il me demande cela, là, je ne le ferai pas. C'est le test du premier homme. Tu peux manger de tous les arbres, mais de celui-là. Avec Dieu, si tu as fait 99 sur 100, tu as échoué. Parce que celui qui est coupable d'un seul commandement est coupable de toute la loi. Vous voyez combien on a besoin de la grâce? D'aimer Jésus et de nous abandonner à lui. Et quand tu luttes avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas être en paix. C'est lui qui va te faire entrer dans le repos. Si tu lui résistes, comment tu vas faire pour y arriver? Ce n'est pas possible. Vous êtes devenu très calme. Regardez ce que Caleb dit. Je respecte l'onction qu'il y a ici. Je respecte la crainte de Dieu qui commence à gagner nos cœurs. Continue ton œuvre, Saint-Esprit. Regardez, Canaan était fortifié, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Il y avait des murs tout autour. Mais pour Caleb, ce n'est pas ça le problème. Caleb était en train de regarder le ciel. Il dit, ils n'ont plus d'ombrage pour le couvrir. Parce que tu peux te protéger comme tu veux. Si la protection du ciel n'est pas sur toi, la muraille ne sert à rien. Amen. Et si tu es couvert d'en haut, même si tu n'as pas de muraille, tu es protégé. Amen. Où est la vision de cet homme? Il regarde, Paul dit, nous ne considérons plus les hommes selon la chair. Moi, je ne vous regarde pas selon ce qui vous paraît. Jamais. Ça fait longtemps que j'ai arrêté ça. C'est pour ça que j'aime les gens. J'apprends à faire confiance aux gens. Quand je suis en pouvoir de donner une responsabilité ou bien de confier quelque chose, même si je connais des failles, je donne. Pourquoi? Parce que si Christ est en lui, la personne est fiable. Elle va faire des erreurs. Nous en avons tous faites. Mais Christ est en toi, mon ami. Même si tu me trahis, si Christ est en toi, tu ne peux pas indéfiniment continuer dans cette direction. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ne regardez pas ce qui nous entoure. Regardez plutôt ce qui nous couvre. Ou pas. Il dit, vous regardez les murailles autour. Mais moi, je vous dis, ils n'ont plus d'ombrage. Ils n'ont plus d'ombrage. Je le sais. Ils n'ont plus d'ombrage. Pourquoi Caleb parle comme ça? Vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce qui fait que Caleb est sûr? Vous voulez que je vous dise? Est-ce que vous le voulez? Comment est-ce qu'on peut savoir? Comment est-ce qu'on peut savoir que la couverture de Dieu est là ou bien elle est partie? Comment est-ce qu'un homme peut savoir? Comment est-ce que Caleb a-t-il fait?
Genèse 15. À partir du verset 12e. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Ça, c'est l'histoire de leur séjour en Égypte, n'est-ce pas? Et toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux. Dieu avait parlé à Abraham du séjour douloureux en Égypte pendant 400 ans, même s'il n'a pas nommé le pays. Et Caleb est là, il se rend compte que la première parole a été accomplie, n'est-ce pas? Je ne m'entends plus. Il se rend compte que la première parole a été accomplie. Dieu les a délivrés de l'Égypte, c'est très bien, merci. Maintenant, ils sont au bord de Canaan. Dieu avait dit que je laisserai ces gens-là occuper le pays tant que leur iniquité n'aura pas atteint son comble. Si nous sommes là, c'est que ce temps-là est arrivé. Et si ce temps-là est arrivé, Dieu a enlevé sa couverture. Tu comprends? Donc tu peux savoir comment? Par la parole de Dieu. Alors, avant de regarder aux autres, toi et moi, nous devrions savoir que si nous déshonorons la parole de Dieu, nous nous exposons. Si nous honorons la parole de Dieu, nous nous couvrons. Tu peux manquer d'argent, mais si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Vous comprenez qu'on ne réussit pas avec Dieu par hasard. Il y a des principes qu'il faut connaître et des principes qu'il faut maîtriser. Vous m'entendez? Aujourd'hui, j'ai lu les Écritures avec vous. Je n'ai pas encore enseigné. Aujourd'hui, j'ai lu avec vous. Parce que je sens dans mon cœur que Dieu veut nous dire, écoutez, ma parole est très importante. Ma parole est sacrée. La parole de Dieu est sacrée. Nous avons tout ce qu'il faut pour entrer dans le parfait repos. Parce que nous avons la parole. Nous avons tout ce qu'il faut pour faire tout ce que Dieu nous demande de faire parce que nous avons la parole. J'ai tout ce qu'il faut pour remplir ma mission et pour honorer pleinement le mandat qu'il m'a donné parce que j'ai la parole. Tu as tout ce qu'il faut pour
pour réussir dans tes études, pour réussir dans ton travail, pour réussir dans ta famille, pour réussir dans tes projets. Nous avons tout ce qu'il faut parce que cela se trouve dans la parole. Mais parfois, il n'y aura pas de muraille autour de nous. Les ennemis que nous allons affronter sembleront fortifiés alors que nous nous serons exposés. N'est-ce pas? Je suis en train de vous parler. Je parle de la parole de Dieu. Parfois, tu auras l'impression que la situation que tu dois vaincre est vraiment fortifiée, barricadée. Et à l'inverse, toi, tu es exposé. Exposé. Mais lève les yeux et regarde d'en haut. D'en haut, toi, tu es couvert et ils n'ont pas d'ombrage pour les couvrir. Vous m'entendez? Et la seule manière d'amener ou de maintenir cette couverture sur nous, c'est premièrement de connaître la parole de Dieu. Deuxièmement, d'y croire, de la mettre en pratique. Personne ne peut me dire que s'il médite la Bible nuit et jour, et s'il agit conformément, fidèlement, selon tout ce qui est écrit, personne ne peut me dire qu'il échouera. Personne, c'est impossible, c'est impossible. Ou bien tu enlèves Josué 1:8. Ce n'est pas possible d'échouer quand on honore la Bible. C'est pas possible. C'est pas possible. Oubliez l'argent, oubliez les relations, oubliez les pistons. Notre piston se trouve en haut. Et il regarde notre comportement envers les Écritures. Saül a perdu sa royauté parce qu'il a déshonoré la parole. Il n'y a pas un péché plus grave que de ne pas croire ce que Dieu dit. C'est pour ça que Dieu a agi avec des gens qui avaient des grandes faiblesses, mais qui étaient prêts à faire quand il parle. Dieu a fait confiance à ces hommes-là, malgré leurs imperfections. Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est de commencer à honorer la parole. Et je te promets, si ton attitude envers la Bible change, je te promets que tu seras en train d'activer tout ce qu'il faut pour ne pas être moins qu'un succès. Et pas dans la plupart des choses que tu vas faire, mais dans tout ce que tu auras à faire. Il y a des chrétiens ici, il y a des gens parmi nous qui sont souvent, qui manquent de paix régulièrement. Dieu me dit de te dire, c'est parce qu'il n'y a pas de parole en toi. Je suis en toi, mais ma parole n'est pas en toi. Tu cherches le repos dans la mauvaise direction. Quand tu auras eu ce que tu demandes dans la prière, tu te rendras compte que ça ne te suffit pas. Ne prenez pas le chemin de l'Ecclésiaste. Il a tout eu. Mais il est mort plein d'amertume. Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour agir conformément selon tout ce qui y est écrit, c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu vas faire. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Prends ta Bible avec toi et lève-toi avec moi. Commence à parler au Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, aide-moi à honorer ta parole. Donne-moi une nouvelle considération de ta parole. Que ta parole devienne sacrée à mes yeux. Que je l'ouvre chaque jour. Que je la médite nuit et jour. Que j'accepte ce que Dieu me dit dans sa parole.
que je remplisse mon être de ta parole. Que ta parole habite en moi abondamment. Et je veux agir, faire tout ce qu'il me dit dans sa parole. Je ne veux pas aimer la compagnie de ceux qui méprisent ta parole. Je ne veux pas aimer la compagnie de ceux qui, bien qu'étant dans l'Église, n'accordent pas une grande valeur à ta parole. Je ne veux pas être un ami de celui qui n'a pas ta parole en lui, de celui qui ne l'a pas abondamment. Ô Seigneur, je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon âme. Donne-moi ta parole en abondance. Qu'elle demeure en moi, qu'elle travaille ma vie, qu'elle soit le guide de mon être, qu'elle soit l'absolu qui me conduit, qu'elle soit la seule vérité que j'accepte, la seule vérité que j'admets, que tout ce qui est contraire à ta parole soit un mensonge à mes yeux, un mensonge à mes yeux. Je ne veux plus faire un effort de comprendre ceux qui se rebellent à ce que ta bouche déclare. Ô Seigneur, ô Seigneur, ramène la sacralité de ta parole au sein de l'Église. Ramène la sacralité de ta parole au milieu de nous. Ô Saint-Esprit, alléluia. Ramène la sacralité de ta parole au milieu de nous. Ô Saint-Esprit, nos pères ont connu la valeur de cette parole. Et ils n'ont pas hésité à mourir pour elle. C'était de simples parchemins et pourtant, ils ont donné leur vie afin que cela nous parvienne. L'histoire nous raconte que cet homme vécut dans les grottes pour protéger ta parole. L'histoire nous raconte que des femmes enceintes ont été jetées à la gueule de lion. Ils ont perdu leur vie ainsi que celle des bébés qu'ils portaient. Mais ils voyaient des siècles plus tard. Ils nous voyaient, nous, ils voyaient cette parole nous parvenir. Nous te rendons grâce pour leur vie. Ils nous ont transmis ta parole. Qu'allons-nous transmettre à notre tour, Seigneur? Qu'allons-nous transmettre à nos enfants? Qu'allons-nous transmettre à ceux qui vont recevoir Jésus aujourd'hui? Qu'allons-nous transmettre à ceux qui vont entrer dans le royaume demain? Qu'allons-nous transmettre à l'église de demain? Si tu ne tardes à venir, notre paix, la paix du Saint-Esprit, c'est ta parole. Que mon attitude change, que notre attitude change envers la Bible, que notre attitude change envers la Bible, que notre attitude change envers la Bible, que notre attitude change envers la Bible. Écoutez-moi, nous sommes dans un temps qui est béni à cause de tous ces progrès scientifiques. C'est le Saint-Esprit qui donne l'intelligence. Et si les hommes découvrent toutes ces choses, c'est grâce au Saint-Esprit, même s'ils ne le savent pas. Et nous sommes à une époque où nous avons des smartphones, nous avons des tablettes. Comprenez-moi, même moi-même, je les utilise. Mais avec ton téléphone, avec ta tablette, tu peux ouvrir la Bible en même temps qu'une page qui n'a aucune valeur. Subtilement, cela désacralise la Bible. Je ne vous demande pas de ne plus les utiliser, car moi-même je continuerai, c'est pas ce que Dieu veut nous dire. Mais je vous conseille d'avoir un livre, une Bible, et d'avoir des temps où il n'y a que la Bible et toi. Rien à côté. Rien ne peut être mis au même pied d'égalité que la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait ces moments de radicalité dans nos vies. Il faut que chaque jour que tu aies un temps radical pour ton Père. C'est ce que Jésus essaie de nous dire quand il disait « Entre dans ta chambre, ferme ta porte
et parle à ton Père qui est là dans le secret. Il faut qu'il y ait ce temps-là où il n'y a que Dieu, la Bible et toi. Et rien d'autre. Et vous serez étonnés des idées que vous recevrez dans le secret. Et quand vous sortirez, vous serez comme un jeune lion. Vous n'aurez plus peur d'aucun géant. Parce que vous aurez la perspective céleste. La parole est en pleine en vous. Vous m'avez entendu? Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père l'Éternel, pour ton espoir était la parole et la parole c'est Dieu. Il n'y a point de vie ailleurs. Il n'y a point de vie ailleurs. Ma parole c'est la vie. Ma parole c'est la vie. Ma parole c'est la vie. C'est pas ma parole que vous pécherez. C'est pas ma parole que vous pécherez. Vous combattez en paix. Saisissez-vous de ma parole. Saisissez-vous de ma parole. Ne l'écoutez pas avec vos oreilles. Mais écoutez-la. Lisez-la avec vos cœurs. Lisez-la avec vos cœurs. Moi, l'Éternel, je suis avec vous. Moi, l'Éternel, je suis avec vous. Je suis le Dieu des sommets. Je suis le lion de la tribu de Juda. Passez-vous sur ma parole. Passez-vous sur ma parole. Passez-vous sur ma parole. Et je serai toujours là avec toi. Tu as de la foi. Tu as de la foi. Car j'ai donné une leçon de foi à chacun d'entre vous. Tu as de la foi. Exerce-la. Exerce-la. Ne t'assoupis pas. Ne t'assoupis pas. Car si tu t'assoupis, tu finiras par être incrédule. Exerce la foi. Exerce-la. Exerce-la. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Et que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées, qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Écoutez ceci. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point en moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les
les arbres de la campagne battront des mains au lieu de l'épine. Tu m'entends? Regarde la malédiction qui a été donnée à Adam, qui est inversée ici. Au lieu de l'épine se lèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel et impérissable. Voyez, Dieu nous montre ici prophétiquement comment sortir de la malédiction originelle qui est tombée sur le sol parce que l'homme a déshonoré la parole. Et la bénédiction revient quand on honore la parole. Et la parole agit, moi je sens comment elle agit. Il faut donner à la parole du temps parce qu'elle est comme la pluie, comme la neige. Elle doit venir arroser d'abord, féconder, faire germer et donner la semence au semeur. C'est ce que le Saint-Esprit fait avec nos cœurs. Que sa parole nous arrose, qu'elle nous féconde, qu'elle nous fasse germer et qu'elle nous fasse avoir plein de semences à donner au semeur. Alléluia. Prions en esprit et laissons le Saint-Esprit arroser encore nos cœurs. Donnons-lui quelque temps afin que sa parole nous pénètre encore, afin que notre esprit soit trempé, que notre esprit arrive à absorber ce que Dieu nous dit et que cela devienne concret pour toi dans ton histoire, dans ta circonstance, dans ta situation, dans ton domaine, dans tes défis à toi. Les ravassantes, les adébros, samanta ravaboche, quinta brosse, les larante, cabarassante, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donne. La crabas, iteria, mandora, tabachel, guéria, ravassanda, ravako, inta ravasse, karandabako, rodoboche, tarada, ramaya, sanda, rababaya, kuru, noboche, rababa. Le cante carabaya sandarara. O rababa i cante rimando la bosciara de cante li ante para contro d'oro vosse. Ghirra mastente li andera cosa valaranta. Lo brassande li la rosce che le manda raba costente. I gramanto d'ali arresa rama i caronda basce. Le ratabaya o shamara lirante. Grandi a bossa caranda. Lenda coronto vosse ramanda. Rabaya sanda rabao shtalirante, remaya sintarako rabaya san, rebaya santa rabako. Les fils de la parole sont là. Les fils de la parole sont là. Les fils et les filles de la parole sont là. Ceux qui ont été engendrés, non par une semence incorruptible, mais par la parole vivante et permanente de Dieu. Les fils que la création attend sont là. Ce sont les fils de la parole, les descendants de celui qui est la parole, les enfants de celui qui est la parole. À ceux qui ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Que la parole produise la transformation, que la parole produise la ressemblance à Christ, que la parole produise le renouvellement, que la parole produise la régénération, que la parole produise en nous le renouvellement de l'intelligence. Au nom de Jésus, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Réjouis-toi, réjouis-toi. Ils n'ont plus d'ombrage. Ils n'ont plus d'ombrage. Ils n'ont plus d'ombrage. Réjouis-toi, parce que toi tu es couvert. Tu es le préféré de Dieu. Tu es le choisi de Dieu. Tu es le Dieu, celui que Dieu a choisi. Réjouis-toi. N'aie plus peur, ne crains plus, car ils n'ont plus d'ombrage. Ils n'ont plus d'ombrage. Ils n'ont plus d'ombrage. Ils n'ont plus d'ombrage. Alléluia. Que ceux qui te troublaient te lâchent maintenant au nom de Jésus. Tu n'as plus aucune raison d'être inquiet. Tu n'as plus aucune raison d'être tourmenté. Tu n'as plus aucune raison d'être dans l'abattement.
Tu n'as plus aucune raison. Entre dans ton repos maintenant par la parole vivante et permanente de Dieu. Dieu avait déterminé une limite pour cette situation. Certains se reconnaîtront dans ce que je suis en train de dire. Dieu avait déterminé un temps pour cette situation. Le Saint-Esprit me dit de te dire, ce temps est arrivé. Oui, brise la résistance des Cananéens. Ce temps est arrivé. Il fait toutes choses belles en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes. Bonnes en son temps. Alléluia. Alléluia. Ils n'ont plus d'ombrage. Ils n'ont plus d'ombrage. Ils sont découverts. Dieu me dit de dire à certains, ce qui était caché pour toi est maintenant découvert, afin que tu puisses le voir. Tu vas t'en rendre compte. Tu vas découvrir des choses. Parce que Dieu a enlevé le voile. Le ciel a enlevé la couverture. Dieu avait voilé pour un temps précis. Et ce temps est arrivé. Afin que tu découvres. Le temps est arrivé. Où tu ne vas plus tâtonner, parce que sa parole est une lampe à tes pieds. Le temps est arrivé où tu ne te tromperas plus, parce que sa parole est une lampe à tes pieds. Le temps est arrivé où tu n'hésiteras plus, parce que sa parole est une lampe à tes pieds. Reçois, recevez, 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 recevez la parole de Dieu. Recevez la parole. Recevez la parole. Recevez la parole. Oh, alléluia. 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 Worship the Holy Spirit. Worship the Holy Spirit. Chantons-le en français. Adorons le Saint-Esprit. Adorons le Saint-Esprit. Les bras ramanto dans la gosse cavacha. Rimanto dans la maison.